بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. La maison où le professeur Hassan est né, elle existe encore et c'est actuellement une petite bibliothèque qui s'appelle Maktabat Mekka al-Mukarrama, la bibliothèque de Mekka. C'est une petite bibliothèque, une ancienne, elle existait depuis l'époque des Ottomans ou juste un peu après. هي عند الصفا du côté de الصفا où il y a le صفا والمروة là où remplissent les zamzam. Nous sommes entrés après la prière du dhuhr et c'était en 80 dans les années 90 et lorsque عندما دخلنا كان فيها اخ مصري هو يعني مسؤول عن هذه المكتبة. C'était un frère égyptien. C'est lui qui s'occupait de la maktaba, de la bibliothèque. فسألته يعني قلت له هل هذا المكان الذي يريد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما أراد أن يقول. Il n'a pas voulu me le dire, bien sûr. Parce que là-bas, en Arabie Saoudite, malheureusement, ils cachent. Enfin, c'est pas malheureusement, mais ils sont obligés de cacher les endroits pour pas que les hujjages s'affolent et pour pas que les hujjages, يعني, à cause de cet affolement-là, ils causent beaucoup d'accidents. D'accord. Alors, il n'a pas voulu et je lui ai promis que je ne veux pas le dire aux gens qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y avait des gens qui doutaient. Il y avait des hujjaj, il y avait des. Enfin bref. فَقَالَ لِي نَعْمْ هَذَا هُوَ الْمَكَانِ يعني. C'est à peu près, il m'a dit, cet endroit يعني, que Rasul صلى الله عليه وسلم est né. Alors je lui ai dit, Akhi Karim, je l'ai supplié, طبعًا. يعني, نَشَتْهُ وَكَذَا. Et je lui ai dit, tu peux montrer exactement où il est. Parce que dans la maktaba, il y a des manuscrits, il y a des. قال لي يعني يا أخي أنا لا أستطيع je ne peux pas j'ai pas le droit et tout ça. Je dis que je te promets je dirai à personne des gens autour de moi qui sont à l'extérieur et je sortirai avec le secret. نعم طبعا في البداية il a pas voulu au début, après il a accepté, il m'a dit viens suis-moi. Et dans la maktaba, parce que c'est une grande bibliothèque, il y avait une petite porte dans laquelle il y avait une ancienne pièce, une vieille pièce, très très vieille pièce. Et dans cette pièce, il gardait des anciens manuscrits. تمام؟ عندما فتح الباب أدخلني في هذه الحجرة. Il m'a. طبعا مكة حارة. مكة المكرمة. Il fait très très chaud. Et je me rappelle, c'était en été, hein, au mois de juillet exactement, je me rappelle. Le début de vacances, avant qu'on allait rentrer en France. D'accord? On est parti faire l'Umra après. أدخلني, il m'a fait rentrer. والله يا إخوان الكرام. Il faisait froid, on dirait qu'il y avait la clim. Parce qu'en Arabie Saoudite, il fait chaud. Tu rentres dans la maison, dans l'hôtel ou dans des pièces, dans des bâtiments. La clim, elle est tellement allumée hein, et qu'il fait froid, quoi. Il fait frais. Il fait 18, 20 degrés. Et qu'à l'extérieur, il fait 45, 48 degrés, jusqu'à 50 degrés. À Mekka al-Mukarrama. On dirait que, subhanallah, il y a une clim incroyable, une fraîcheur incroyable. J'ai commencé à trembler. Et il m'a dit, Huna wulid al-Nabi, il a dit, c'est là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam est né. Une odeur de musc, il a dit, wallahi, on met aucune odeur, aucun parfum, aucun bukhur. Il a dit, wallahi, la nada, la bukhur, la utur, la shay. Aucun, ni encens. Je dis, vous mettez pas de l'encens ou bien peut-être Zama pour soi-disant. Il m'a dit, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, ça peut faire des incendies. Ni parfum, rien du tout. Al-Makan, Raiha, Amri Maya, il n'y a jamais senti une telle odeur, subhanallah. Al-Makan, il y a la pièce où Rasul Sassam est né. Allez, salam.